Bonjour, je me présente Yannick Seyer. Voici ma méthode d'apprentissage à la lecture et à l'écriture pour accompagner vos enfants dès la maternelle, grande section, et au CP. Et ceci à l'aide de la méthode syllabique. Le son IS est composé des lettres IS. Je lis une syllabe. La lettre V et le son IS donnent la syllabe VIS. La lettre L et le son IS donnent la syllabe LIS. Je lis un mot. Prenons une autre syllabe, comme par exemple TE. T-E, TE. L'association des syllabes LIS et TE donne le mot LISTE, comme par exemple une liste. Voyons quelques exemples de syllabes et de mots avec le son IS. IS, IS. L'association de la lettre B et du son IS donne la syllabe BIS. B-I-S, BIS. Comme un biscuit. B-I-S, BIS. C-U-I-T, cuit. Biscuit. L'association de la lettre C et du son IS donne la syllabe CIS. C-I-S, CIS. Comme une saucisse. S-A-U, SO. C-I-S, CIS. S-E, SE. Saucisse. L'association de la lettre D et du son IS donne la syllabe DIS. D-I-S, DIS. Comme un disque. D-I-S, DIS. Q-U-E, QUE. Disque. L'association de la lettre L et du son IS donne la syllabe LIS. L-I-S, LIS. Comme une liste. L-I-S, LIS. T-E, TE. Liste. L'association de la lettre V et du son IS donne la syllabe VIS. V-I-S, VIS. Comme une vis. V-I-S, VIS. Je lis une phrase. Avant de faire les courses, j'écris une liste. Avant de faire les courses, j'écris une liste. Avant de faire les courses, j'écris une liste. Merci de suivre cette série d'apprentissage à la lecture des syllabes, des mots et des phrases pour accompagner vos enfants dès la grande section de maternelle et en CP. Retrouvez tous les cours dans la playlist. Merci de partager et de mettre un pouce levé si vous avez aimé.